Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, vidéo programme complet de sport où on s'entraîne ensemble. Bon, j'ai fait ça ici, tu vois, parce que de base, je vais faire ça dehors, mais dehors, il fait trop froid. Il fait vraiment trop froid. Et à la salle de sport, tu vois, j'ai demandé, on me laisse faire mes programmes en salle de sport, mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens. J'avais fait un programme à la salle de sport, les gens, ils passent devant la caméra, ils courent devant la caméra, ils sautent et tout. Donc, tu vois, je pouvais pas. Donc j'ai fait ça ici, dans la chambre. J'espère que, voilà, au niveau de la lumière et tout, ce sera pas trop bizarre et que la qualité va te plaire. Pour cette première vidéo, on part sur un programme débutant en trois exercices pectoraux simples. Et si je vois que, voilà, l'image passe bien, ça va bien et tout, on va faire les programmes intermédiaires et pro et aussi des programmes avec haltères. Prépare-toi, mets ton meilleur débardeur et fais les choses bien pour exploser. Les pecs. Ok, premier exercice, pompe largeur des épaules. Hop, on met les mains comme ça, tranquillement, bien à plat au sol. On se met en position et on va faire 10 reps. C'est parti. 1, 2, on descend bien en bas. 3, allez. 4, hop. 5, 6, hop. 7, 8, allez. 9. Et 10. On met un petit temps de repos tranquillement. Alors, maximum 1 minute en repos. Ouais, je sais pas, je vais mettre combien. Je vais voir. Sachant que comme je m'entraîne en parlant, c'est un peu plus compliqué, ok? Donc, ouais. On va peut-être faire 30-40 secondes tranquillement. Toujours une bouteille d'eau, c'est important. 30 secondes. Allez. On va repartir à 40 tranquillement. Mais toi, tu peux partir à 1 minute. Ok, c'est parti. On y va. On recommence. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, c'est rien. 7, hop. 8, 9 et 10. 10 reps, c'est tranquille. C'est ce qu'il faut pour bien bosser, pour bien construire et bien développer. Pas besoin de faire plus. Et il faut pas faire moins. 10, c'est bien. Après, si tu peux pas faire 10 pompes, fais-les sur les genoux, tranquillement, ou va à ta limite. Mais je pars du principe que si tu sais pas faire plus de 5 pompes normales, fais les pompes sur les genoux, c'est une bonne base pour évoluer. Bon, deuxième série. Putain, on est déjà à 35 là. Oh. 40, ok, c'est parti. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Troisième série validée. On va faire la dernière série et passer à l'exercice suivant. On a mis le chrono tranquillement. Là, je commence à être chaud. Je commence à souffler. Ça veut dire que c'est bon. Je rentre dedans là. Oh. Très important de tes séances, si t'as un peu soif, bois une gorgée ou deux, pas plus. Parce que si tu bois trop, tu seras ballonné et tu pourras pas continuer pour la suite. Et c'est dommage, c'est pas ce qu'on veut, ok? Ok, on va arriver à 40 tranquillement. On va faire les dernières. On descend bien bas, on fait le mouvement, on fait les choses bien. C'est parti. Hop. Une. 2, 3, allez, 4, 5, c'est rien, 6, 7, on lâche pas, 8, 9 et 10. Ouh. Premier exercice terminé, 2 minutes de repos tranquillement et on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, pompe écartée, donc même principe, les mains pareilles mais hop, légèrement écartées, ok?
Donc les pecs seront beaucoup plus étirés dans cet exercice. On va partir encore sur du 4 fois 10 reps. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. On va tout le temps chercher la dixième rep. Et si tu peux pas, si t'arrives pas, t'essayes. Si tu vois à 9, tu tombes, tu te reposes 10 secondes et tu la refais la dernière. C'est important, on valide, on va au bout. Oh, avoir des gros pecs, c'est important. Et avec le poids de corps, tu vas construire la base de tes pecs. Mais après, voilà, si tu veux les faire grossir, tu sais très bien qu'il faudra des poids. Le poids de corps, c'est bien, mais ça fait pas tout. Mais c'est quand même la base de tout en musculation. Oh, on va bientôt partir. Oh, allez, c'est parti. On y va. Moi, je pars à 38 secondes. Mais tu peux partir à 1 minute max. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, hop, 8, 9 et 10. Deuxième rep, validé. Hop. Comme j'ai dit, l'eau, une ou deux gorgées, pas plus. Sinon, tu seras ballonné et tu ne pourras plus faire tes séries. C'est fini. Ou tu vas vomir ton eau là, tu vois, et c'est pas ce qu'on veut, nous. Ouais, c'est pas ce qu'on veut. Sinon, c'est séance annulée et au dodo. Ouh. Allez, 30 secondes. On va bientôt partir tranquillement. Ouais, ça va, je pars à 40. Parce que tu vois, c'est une séance débutant. Donc moi, je me sens bien, je fais les choses bien. Allez, on y va. Troisième série. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième série, validée. Hop. Et là, ça fait deux fois que, au lieu de mettre le chrono, j'allais arrêter la vidéo. Ah, j'allais pleurer. Hop. Allez, dernière, tranquillement. Et après, la séance est bientôt terminée. Tu vois, c'est une petite séance, 3 exos, tranquillement. Une petite routine. Tu fais ça tranquillement avant d'aller à l'école, au travail ou après le travail. Et t'es bien, ça te fait une petite séance de sport. Histoire de te mettre dans le bain et te mettre en forme. Mais là, t'inquiète, là, c'est de la session débutant. Donc, tu vas la faire pendant un mois ou deux. Et après, tu verras que tu pourras passer la version intermédiaire, voire pro, tout de suite après. Allez, on y va. C'est parti pour la dernière. On va faire les choses bien. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. On a fait les choses bien. On se repose 2 à 3 minutes et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, bon, il sera un peu plus dur parce que ça sera les pompes en prise serrée ou diamant, peu importe, tu vois. Nous, on va faire la prise serrée simple. Bon, ceux-là, ils sont un peu plus durs parce que tes triceps vont être engagés à la descente et à la montée, d'accord? Donc, il se peut que tu n'aies pas la force nécessaire pour bien monter. Donc, comme je t'ai dit, sur les genoux. Et si vraiment sur les genoux, tu n'as pas la force de monter, tu repars en pompe classique. Tu verras que à force de faire tes pompes, tu auras la force nécessaire pour faire les serrées. Mais je pense que sur les genoux, ça va passer. Ok? Pareil, 4 fois 10 reps. 1 minute de repos maximum. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Là, c'est que la première série
et je sens déjà mes triceps. Normalement, c'est à partir de la 2 et la 3ème série que je fais mes triceps. Mais comme hier, j'ai fait une séance bras, là mes bras ils sont en feu là, mes triceps, ils sont en feu. Bah là tu vois, là j'ai un retour là sur mon téléphone, je vois que mes triceps là ils sont bien là. On a 30 secondes, on va plutôt repartir tranquillement et compléter la séance. Comme je t'ai dit, toi tu peux aller à 1 minute si tu sens que tu as besoin de plus de repos. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, je te cache pas, c'est dur de s'entraîner et de compter en même temps. Mais je fais en sorte de compter bien fort dans le sens où il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui regardent mes vidéos en s'entraînant avec moi, dans le sens où ils m'entendent parler, crier et compter. Et des personnes où ils mettent de la musique et ils me regardent faire, tu vois. Je pense à tout le monde. Donc j'essaie de compter bien fort, même si ça me fatigue plus. Et voilà. Et dans cette position, j'ai un dos, c'est incroyable. Oh, en parlant du dos, mon dos, c'est vraiment un muscle que je travaille de plus en plus afin de le développer. Là, je parle, on est déjà à 40. Hop, on envoie la 3ème. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, on lâche pas. 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Oh. Là, ça va, je suis bien. Je suis bien. Allez, il en reste une, on a bientôt validé, on a bientôt fini, on a fait les choses bien, la séance est presque terminée, ok? C'est aussi une petite routine, ça va te mettre bien, tu seras congestionné au niveau des bras, des triceps, les pecs un peu, tu seras bien, tu verras. Et par la suite, tu vas évoluer et tu vas passer au programme supérieur. Comme je t'ai dit, ça... C'est quand t'as arrêté le sport depuis longtemps, tu veux reprendre en douceur, quand t'as un coup de mou, ou quand tu commences. Quand tu commences, ça va te faire du bien. Tu pars sur des bonnes bases, et après, on va faire les choses compliquées. Ok, on repart à 50, tranquillement, et on valide cette dernière séance, on va faire les choses bien. Ok? On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, tu prends 2 à 3 minutes de repos et tu bois ton eau et tu fêtes cette fin de séance tranquillement. Ok, je viens de voir les rushs tranquillement et franchement, c'est bien, ça rend bien. Donc, après cette vidéo-là que tu viens de voir, je pense qu'on va partir sur une petite semaine de programme sur ma chaîne. Parce que oui, au moment où tu vois cette vidéo, nous sommes en janvier. En janvier, en ce moment, je fais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, je pense qu'on va partir sur une semaine de programme, d'accord? 7 ou 8 jours de programme de muscu. Et là, je me permets de le dire, tu vois, je me permets de dire... Parce que c'est ce qui va se passer, ok? Donc si tu aimes ce programme, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Si tu veux voir un programme précis, dis-le moi dans les commentaires, c'est très important, comme ça je le fais. J'ai la place, la couleur, enfin la lumière, ça va, ça rend bien. Donc, on va faire des programmes. Donc si tu as un truc que tu veux, ouais Dams, fais ça, je vais voir ce que je peux faire et je le fais, ok? Abonne-toi à la chaîne, c'est très important pour faire grossir la chaîne, pour récompenser le travail. Et regarde aussi les pubs jusqu'à la fin, parce que c'est important. Ok? Sur ce, je te dis, porte-toi bien, sois motivé, et à la prochaine pour la suite.